Sur la droite, flanc de colline, une section à 2h, 400 mètres. Ils vont tenter de nous déborder des deux côtés. Tire nourrie à 2h, 400 mètres. Non, il y a des nôtres là-bas. Pas du même régiment, mais c'est un des nôtres. Quoi ? Regardez par vous-même. Qu'est-ce qu'il fout là, putain ? Les liaisons sont en train d'être établies avec l'extérieur et le commandement. Mais tant que la situation n'est pas critique, on doit continuer à tenir cette position. Ce sont les ordres. Putain, on va tous passer. Sergent, je crois qu'on y est dans cette situation critique. Mais donnez leur d'ampli, on doit évacuer. Il faut qu'on sorte de là. Trop tôt. Thank you.
Mon Dieu. Alors, allez, contrôle-toi. Il faut que je me calme. Je m'en suis sorti. C'est pas le moment de lâcher prise. Il faut que j'arrive à respirer. Il faut que tu te vides, Eugène. Il faut que tu te vides. Allez. Calme-toi. Il faut que j'y arrive. On est fiers de toi, Eugène. Mais je veux que tu nous promettes une chose à ta mère et à moi. C'est que tu feras attention à toi. On sera toujours à tes côtés, mais là-bas, tu sais qu'il faudra que tu comptes que sur toi. Je serai pas seul. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Que Dieu t'entende, mon fils. On t'aime, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Papa?
papa, tu m'as dit que vous serez toujours à mes côtés. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous sentir. Je vous ai menti. Là, je suis vraiment seul. Je crois pas que je vais m'en sortir. J'ai l'impression d'être déjà dans mon cercueil. Je vais crever. Tout seul. Parlez-moi. Jeune, t'éloigne pas. Papa, tu as vu un animal qui est rentré dans le sable et qui a disparu. Il est méchant l'animal? Non, fiston, c'est une taupe. On la voit plus, mais non. Parce que c'est une championne, tu vois, avec ses petites pattes. Elle creuse la terre et elle la met derrière elle au fur et à mesure qu'elle avance. Dans la terre? Ouais, tout au fond de la terre, là où personne ne peut la voir et être en sécurité. On ne peut pas la suivre? On pourrait essayer si on avait des outils, mais on ne la rattraperait pas. Bien trop forte à ce petit jeu-là. Allez, on va rentrer, maman nous attend. Viens, Eugène. Avec ses petites pattes, elle creuse la terre et elle la met derrière elle au fur et à mesure qu'elle avance. Dans la terre? Ouais, tout au fond de la terre, là où personne ne peut la voir et être en sécurité. Papa, c'est de la folie. Mais je vais essayer. Je te promets. Je vais essayer.
veux me sortir de là. Il faut que je me sorte de là. La taupe, papa. Si je peux pas sortir par le haut, je vais creuser ma galerie et sortir de ce trou. Je vais pas crever là-dedans. Ça finira pas comme ça. Je sais pas si je vais m'en sortir. Mais au moins j'aurais essayé. Je me serais pas laissé crever sans rien faire. Cette putain de terre va pas m'engloutir sans que je me sois battu jusqu'à la dernière bouffée d'air qui me sera donnée de respirer. J'emmerde ces putains de boches. J'emmerde ce putain d'obus qui m'a enfoui là-dessous. J'emmerde cette putain de vie qui est en train de me jouer cette saloperie de tour. Mmh.
Hey, y a des survivants par ici? Ils m'auront pas vu, c'est trop forêt. Je vais me sortir. Faut que je me calme. Je peux y arriver. Si j'ai tenu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison. Je suis pas seul. Ok, je suis pas seul. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je vais respirer doucement. Et ça va aller. J'étais là-dedans. Alors je peux pas me retrouver très bas. Ici, que de la terre et des débris. Mais il y a forcément une issue. Mais quel con! Allez, allez, allez! Râle-toi! S'il te plaît, me laisse pas tomber! Oui, oui! Hey, hey. Encore un petit effort! Oui! Oui! Ah! 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 Oui! Ah! Je savais que tu me lâcherais pas! Ça y est, je vais devenir dingue. Je vais parler à une lampe. Papa, je crois que ce serait mieux que je m'adresse qu'à toi. C'est grâce à toi si je retrouve un peu mon sang-froid. Hein. Et je sais que t'es là pour m'aider. Tu l'as toujours été. Je sais. J'ai pas l'agilité de ces petites bêtes. Et encore moi avec mon bras déboîté. Au fait, tu parles de rien de tout ça, maman, hein, s'il te plaît. Je serais morte d'inquiétude. On lui racontera quand tout sera derrière nous.
C'est quoi au juste tes conneries? Tu me mets à l'épreuve, c'est ça? Est-ce que je suis si mauvais pour mériter d'endurer tout ça? Allez, je vais m'accrocher. Je vais pas crever ici. Fais ce que tu voudras. Je m'en fous. Je lâcherai pas. Allez, du grand Eugène, de bonne fillette. C'est juste un mauvais moment à passer. Juste un mauvais moment. Ça va vite passer. Juste un coup sec. Ah, tu merde! Je te mets ta quoi dans le ventre! Alors c'est peut-être comme ça que ça doit finir. Je vais devenir dingue. Avoir des hallucinations. Et crever dans ce trou. Et personne ne saura ce que je suis devenu. Chienne de vie. J'emmerde cette putain de guerre qui m'enterre vivre. Thank you.
c'est pas une hallucination. Ah mon Dieu, faites que ce soit pas mon cerveau qui me joue des tours. Y a vraiment quelqu'un? Je suis là. Vas-y. Vas-y, dis-nous ça, parle-moi. Je suis plus seul. Dieu soit loué. Je suis plus seul. J'ai cru que je devenais dingue à entendre des bruits. J'y croyais pas. Je suis sûr, j'y croyais vraiment pas. Eugène Touko, je suis coincé là-dessous. Je sais plus depuis combien de temps et je manque d'air. Eugène Touko. On est de la même section. On se connaît pas personnellement, mais je te remets. Je suis Joseph des transmissions. Je sais, c'est ironique, mais qu'est-ce que tu veux? Je fais mon boulot jusqu'au bout. Oui, c'est vrai que c'est presque ironique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la galerie? C'est tellement flou. Ouais, les boss, je vous en fais un cadeau d'un joli petit obus. On s'est envoyé de Padres quand ils ont vu qu'on tenait nos positions. Mais tu sais, j'ai pas tout compris non plus. Hein. Moi, ça fait des heures et des heures que je suis coincé ici, sans entendre un bruit. À part quand des obus sont tombés pas très loin. Ils ont tremblé tous ces putains de murs. Sûrement nos bombardiers qui continuent à arroser sans distinction. Je crois qu'il n'y a plus d'autres survivants ici. Hein. Attends, tu me dis que t'es coincé là-dessous, mais... Moi, j'étais un peu à l'écart de l'entrée principale quand tout a explosé. T'es où, toi? J'en sais rien. Je crois même pas avoir entendu l'explosion. Tout est devenu noir. J'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillé, j'étais coincé sous terre comme un rat. Je suis dans ce qui pourrait ressembler à... une petite partie de... des galeries que les boches utilisent pour stocker leurs rations et leurs munitions. Sauf que tout a été enseveli par des tonnes de débris et de terre. Je sais même pas comment je suis encore en vie. Il y a à peine d'air là-dedans. J'ai avancé, mais je sais pas dans quelle direction. L'obus a dû faire s'effondrer une partie de la galerie supérieure. Moi, je suis toujours au-dessus et je sais même pas si on peut sortir d'ici. Je suis coincé, je peux même pas bouger. J'ai une sale blessure au ventre et...
J'ai une saloperie de ferraille qui m'écrase la jambe. Mais attends, comment tu fais pour avancer si c'était coincé là-dessous? Je comprends pas. Grâce à mon père. Je pouvais pas passer par en haut. Tout risquait de me tomber dessus au moindre faux pas. Alors, j'ai creusé ma galerie comme les taupes. Comme les taupes. Comme des taupes. Oui, je sais, c'est difficile à expliquer, mais... Je sais pas si je vais tenir encore longtemps. Je manque vraiment d'air, c'est irrespirable là-dedans. Je suis comme dans un putain de cercueil. Ok Eugène, écoute-moi. Je sais pas comment tu fais pour tenir là-dedans, j'ai du mal à imaginer comment tu fais. Je serais probablement laissé crever à ta place, mais... Mais il faut pas que tu lâches, ok? Hein? Tu dois pas être si profond que ça, et tu dois avoir raison, tu dois être coincé au milieu des anciens compartiments de stockage. On avait tout juste commencé à dérouler du câble, et c'est Francis qui s'occupait des téléphones, comme celui que t'as dans la main. Il avait tout juste commencé à dérouler le câble quand tout a explosé. J'ai vu sa silhouette s'évaporer dans l'explosion. Et ici, j'ai pu tirer une dizaine de mètres, j'ai pas pu plus. Le reste doit être enfoui dans le sol. Alors faut que tu suives les câbles. Ok, Eugène? Suis les câbles et tu vas t'en sortir. Faut pas que t'abandonnes. Accroche-toi. Mais je fixe à m'accrocher. Je veux y arriver. C'est pas seulement ta vie que tu vas sauver. J'ai aucune chance de m'en sortir tout seul. Je vais tout faire pour nous sortir de là. Tu peux compter sur moi. Fin de communication. C'est bon, Eugène. T'es un bon petit gars. Je vais te faire en sorte de te laisser le temps d'y arriver. Suivre les câbles et sortir. Suivre les câbles et sortir. Non. Pas maintenant. Ah.
Je suis là, Eugène. Il faut que tu parles. Je vais crever. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe, Eugène? Je suis là, qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive plus. Calme-toi, Eugène. Ok? Parle-moi. Que je m'échappe de ce trou avec le son de ta voix. Raconte-moi tout ce qui te passe par la tête. Fais ça, s'il te plaît. Ok. Ok, je... Tiens-moi de là. Ok, Eugène, j'ai ce qu'il te faut. Je crois pas d'avoir reçu de toi, mais... C'est moi qui m'occupe du courrier des gars. Je récupère les lettres et je les fais partir. Alors, si tu veux, je t'en lis une, ok? Oui, vas-y, fais ça. Lis-moi les lettres. Censure les aura ouverts de toute façon. Cher papa et maman, j'espère que vous allez tous les deux bien et surtout... Que vous ne vous inquiétez pas trop. Je suis désolé si parfois mes lettres ne sont pas très rassurantes, mais tout est si dur ici. Mes 18 ans, je n'aurais jamais imaginé... que bien souvent, je n'ai pas le temps de connaître. Les journées ne sont pas si longues que ça, mais certaines nuits semblent s'étirer à l'infini. Hanté par le sifflement des balles, par le fracas des explosions qui résonnent dans mes tympans. J'aimerais tellement être auprès de vous et me réveiller en me percevant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Ne voyant autour de moi que des gens avec le sourire. Sans uniforme et sans armes. Mais au moins, je sais... que je fais pas tout ça pour rien. Il suffit que je me dise que, en prenant les armes comme je le fais, je vous permets, à vous, mes chers parents, d'être à l'abri à la maison, d'être en bonne santé et, je l'espère, être chaque jour un peu plus éloigné de cette folie et de cette barbarie qui envahit notre monde. Oui, il suffit que je me dise tout ça pour retrouver du baume au cœur et pour me sentir plus en vie que je ne l'ai jamais été. Cette vie que vous m'avez donnée et que je suis prêt à vous offrir pour vous remercier. Je suis persuadé que ma prochaine lettre sera teintée d'un espoir grandissant, car nos lignes avancent toujours un peu plus, faisant reculer cet ennemi, et nous allons finir par le faire capituler. Ne vous en faites pas pour votre fils, qui pense très fort à vous, et qui reviendra bientôt remplir les murs de la maison. Je vous embrasse très fort, et toutes mes pensées vous accompagnent. Embrassez aussi Toutou. Embrassez Toutou pour moi, et dites-lui que je serai bientôt là, pour lui lancer la balle comme autrefois. Votre fils Léonard. Ça va, Eugène? Je sais pas si c'est bien et une bonne idée de te lire ce courrier. Ce petit reviendra sûrement pas chez lui. Paix à son âme si c'est déjà éteint. Tu sais quoi, Joseph? Je vais y arriver. Et on cherchera ensemble les survivants pour les secourir. D'accord. Que Dieu t'entende. Eugène ?
Eugène, dis-moi que tu vas tenir le coup. Ich werde dir helfen. Warum? Ich wollte helfen.
Jeanne. J'ai vu ma vie défiler. J'ai cru. J'ai vraiment cru que cette fois, c'était la fin. Tout s'est effondré sur moi. J'ai un cadavre au-dessus de la tête. Je crois que... Quoi, Eugène? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as parlé d'un Francis qui était aux transmissions avec toi. Un bon copain. Tu parles d'un bon copain. C'est comme un frère. Un ami d'enfance, quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Hein, Jeanne? Pourquoi tu me demandes ça, Jeanne? Je suis désolé. J'ai pas dû avoir le temps de souffrir, tu sais. Personne ne mérite de subir ce qu'on est en train d'endurer. Personne. Warum tust du das? Ich wollte dir helfen. Tais-toi. Je peux entendre ta voix. Je comprends rien de ce que tu me dis. Ich bitte dich, mein kleiner Bruder. Ich möchte ihn wiedersehen. Ich bitte dich. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. J'ai entendu quelque chose comme un coup de feu. Joseph, tu m'entends? Réponds-moi, j'ai entendu, je te dis. Eugène. Eugène, je l'ai tué. Je l'ai tué. Tu as tué qui? Je l'ai tué. Mais... J'ai entendu le coup de feu. Tu comprends ce que ça veut dire? J'ai entendu ton coup de feu. Alors, je suis plus très loin de toi maintenant, c'est sûr. S'en sortir et vivre. Ou plutôt survivre. Je t'en supplie, Eugène, fais vite. Je tiendrai plus longtemps. Thank you.
ici, papa. J'ai trouvé la sortie. Je sens mon trou. J'ai une galerie droit devant moi. On va s'en sortir. Eugène. Eugène, réponds-moi, t'es toujours là? Merde! Eugène? Non, non, mais je vois rien d'où je suis, les caps partent dans un couloir, mais je peux pas voir. Mais tu dois pas être là, puisque je t'entends. Moi aussi, je t'entends bien. Je t'entends bien. Alors j'y suis presque. Eugène ! C'est fini. Il n'y arrivera pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas. Je peux pas passer. Mais de quoi tu parles ? Je sais pas si c'est la première explosion ou les bombardements qu'il y a eu après, mais...
Cet amas de poutres en métal par où passent les câbles. Je peux pas les bouger. Et devant moi, les... Putain de grille infranchissable. Tu dois être juste de l'autre côté, mais je peux plus te rejoindre. Je sais même pas comment j'ai tenu aussi longtemps là-dessous sans vraiment pouvoir respirer, mais... J'y retournerai pas pour chercher une autre issue. J'ai plus de force. T'en fais pas, Eugène. T'as fait ce que t'as pu. Au moins, on va pas mourir seul. Eugène. Eugène, il faut tenter quelque chose. Il faut tout tenter, même si on doit mourir. De toute façon, c'est ce qui nous attend. Attends, écoute-moi. Je suis désolé, j'y arriverai pas. Il n'y a aucun accès. Et je retourne pas m'enterrer, ça c'est clair. Je sais, mais... On peut encore tenter autre chose. C'est à toi de décider. Mais si la grille est derrière l'ouverture que je vois, ça peut marcher. Je suis prêt. T'as reculé le plus loin possible, ça peut t'enterrer définitivement. Je suis prêt. Eugène, t'as réussi. T'as réussi. Non, on a réussi. Allez, faut qu'on sorte. Viens-moi cette salope. Viens. Vas-y.
Vas-y, vas-y. Ils ont dû laisser leur section en poste dehors. Il y a fort à parier que l'explosion les a alertés. Oh, t'es quoi, c'est... Pas encore. Il doit y avoir une autre issue que l'accès principal. Il faut pas traîner. Ouais. Bouge de l'avant qui nous tombe dessus. Ouais. Une autre issue, en effet, comme des rats. Et ils n'ont aucun accueillir à la sortie. Allez. Attends, je t'accuse de ces verres-là. Laisse-moi me remettre mon pansement en place. Ah. T'as pas de morphine ? Si, mais juste une dose. Je la garde pour que ça devienne insoutenable. Ils ont pas lâché. Ils sont toujours derrière nous. Allez,
peut-être trouver notre sortie. Que Dieu t'entende. Eugène. On est dehors. J'ai du mal à bouger. J'ai tellement cru que ma vie allait se terminer dans ce trou. Je sais. Il faut qu'on s'éloigne d'ici maintenant. Les tirs de mortier qu'on entend, c'est bien avec les nôtres. Mais ils se sont repliés de l'autre côté des collines. Les Allemands ont pris toutes nos positions, toutes. On les aura pas tenus. Et tous les copains, ils sont restés là-bas. Nous, on le savait. On le savait très bien qu'ils étaient en surnom, mais qu'on n'avait aucune chance de tenir ces positions. C'était du suicide. Et maintenant, on se retrouve là, derrière les lignes ennemies. Oui, juste derrière. Parce qu'il y a toute une section de gauche en contrebas. Il va falloir les contourner, ces ennemis. Il faut qu'on dégage de là. Eugène. Quoi? Je sais pas si je mérite avec ce que j'ai fait. Enfin, je veux dire... Dans l'état où je suis, je t'en voudrais pas. On s'en tire tous les deux. On y reste tous les deux. D'accord. Allez, lève-toi.
Attends. J'arrive plus. Bien sûr que si. Il faut que tu t'accroches. Je vais continuer à t'aider et on va rejoindre nos lignes. Ensemble. Tout ce que je vois, c'est que je suis en train de ruiner la peu de chance que t'as de t'en sortir. J'ai plus de force. Cherche plus. J'interdis de me faire ce coup-là, tu m'entends? On revient de l'enfer là-dedans. Et t'as pas le droit. T'as pas le droit d'en venir maintenant. Ok. Allez, tu t'aimes. Attends. Allez, je t'aime. Ok. Ok, Joseph. Si c'est comme ça, tu me laisses pas le choix. J'aimerais tellement qu'on y arrive. J'ai la trouille de crever tout ça. Alors continue de t'accrocher. Et laisse-moi finir, Jade, s'il te plaît. J'ai la trouille, c'est vrai, mais je suis lucide. Combien de minutes tu vas tenir encore avec ma carcasse sur ton dos? Tellement pas à toi-même. Tu m'as déjà donné tellement d'occasions d'accrocher un espoir. Je te remercie pour ça, mais... il faut que maintenant qu'il y en a un de nous deux qui s'en sorte. Et on sait très bien qu'il y en a un qui a une toute petite chance. C'est toi. Uniquement si tu blesses. Et tu le sais. Tu sais que tu parles beaucoup pour quelqu'un à l'agonie? Attends, j'en peux plus, merde. Arrête, j'en peux plus. Ça fait trop mal. J'en supplie, je veux que ça s'arrête. J'en peux plus, arrête. Ok, Joseph. On va faire une pause.
On va prendre le temps d'accumuler un peu, d'accord? Ah, je veux plus que tu me touches! Je veux plus que tu me touches, tu m'entends? Je bougerai plus de là. Je bougerai plus de là. La morphine. La morphine, tu m'as dit que tu la gardais pour quand tu aurais trop mal. Hein? C'est le moment. Ça va te faire du bien. Voilà. Essaie de te détendre. Hein? Ça va aller. La douleur va disparaître. Ok? Tu l'as jamais, toi. Thank you.
à droite, plan de colline, une section à 2h, 400 mètres. C'est à prévoir. On va tenter de nous déborder des deux côtés. Tire nous, rue à 2h, 400 mètres pour ajustement. Des notes là-bas, pas du même régiment, mais c'est un des notes. Quoi? Regardez par vous-même. Qu'est-ce qu'il fout là, putain? Il pourra jamais nous rejoindre. Sous les tirs croisés, il tiendra pas une minute. On peut rien pour lui. On va tenter d'aider, vous accorder un petit peu de répit. Tir soutenu, même position à 2h, 400 mètres. S'il tente de nous rejoindre, il est mort. Fais pas ça, mon gars. Trouver une autre solution. On pourra pas te sortir de là. Eux sont tellement occupés à essayer de nous faire la peau qu'ils n'ont même pas remarqué. Tu prends deux gars avec toi. Tu retournes à l'arrière, tu dégotes une jeep. Vous contournez jusqu'à la rivière. Ne franchissez pas la rive. C'est par là que le gars va tenter de passer. On va l'appuyer. Allez. Les gars avec moi dans la jeep. On a un gars de chez nous à sortir d'affaire.